Coupez musique. Alors aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans de la plus merveilleuse console chinoise jamais existée dans l'histoire du jeu vidéo. Alors il s'agit de la game... Cube? Non. De la game... Boy. Non. Il est mauvais ton accent chinois. De la game... Gear? Non plus. De la game... Gear. Non. De la game... De la TV? Non. De la game... Over Family? Non plus. T'es mieux que tout ça. Il s'agit de la game... La game Child. T'avais déjà vu cette console? Non. Non? Eh bien, nous allons découvrir aujourd'hui, pour les 30 ans de la Game Boy, hein, nous faisons une test spéciale de cette console unique, la première console de l'histoire chinoise portable, hein, la première imitation chinoise. Hein, et nous allons voir tout ça de suite après le... Générique. Un très très bon anniversaire à la Game Boy, hein, donc qui fête ses 30 ans cette année, hein, parce qu'elle est arrivée en 1989, bon, sortie en 1989 au Japon, hein, avant d'arriver en France un peu plus d'un an plus tard en 1990. Alors elle était sortie en France au prix de 790 francs avant qu'elle ne trouve son tarif moyen de 590, ce qui fait quand même moins de 100 €, hein, ce qui est vraiment pas cher, hein, pour une console portable. Maintenant, de nos jours, pour trouver une console portable à moins de 100 €, c'est pas si évident que ça. Alors, elle a connu plusieurs déclinaisons, hein, donc il y a eu la première Game Boy, la grise, la plus classique, la plus connue, hein, qui s'est vendue à des dizaines de millions d'exemplaires, je sais plus exactement. Donc il y a eu en 1996 d'abord la Game Boy Pocket, hein, qu'on n'a pas, donc c'est le modèle intermédiaire qu'il y a eu juste avant, en 1998, la Game Boy Color, que voici. Voilà, Game Boy Color, qui était bon, comme la Game Boy Pocket, plus petite et bouffait moins de piles, hein, elle n'avait que deux piles, elle était plus plate, plus légère, hein, mais l'écran quasiment de la même taille. Sauf qu'elle n'était toujours pas rétro-éclairée, hein, donc on ne pouvait pas jouer la nuit. Hein, comparé à ses concurrentes, hein, qui sont vite sorties, je crois fin 89 ou début des années 90, la Lynx d'Atari, hein, qui elle était rétro-éclairée et en couleur, et la Game Gear ou Game Gear ou enfin des disques que vous voulez, j'en ai rien à foutre, hein, qui était sortie juste après la Lynx aussi et qui avait les mêmes caractéristiques à peu près, quoi, hein, à peu près le même écran. Même taille d'écran, tout ça, sauf qu'elles avaient, on va dire, toutes les deux le même problème comparé à la Game Boy, c'est que elle bouffait énormément d'énergie, il fallait 6 piles, voire 8 piles, enfin c'était pour 2 heures d'autonomie, il me semble, bon, alors que celle-ci pouvait tenir 20 heures tranquille, hein, donc 20 heures de partie. C'est vrai que c'est du monochrome, c'est vrai que la qualité était peut-être un petit peu moins bonne, mais c'est quand même la console qui a le mieux marché et qui aujourd'hui reste encore une des consoles portables les plus vendues et les plus copiées, hein, dans le monde. Et hein, d'ailleurs, on a bien vu la Game Child, hein, qu'on va tester ensuite. Et donc après, en 1996, donc la Color, en 2001 sort la Game Boy Advance. Hein, ça reste un petit peu le même principe, mais on l'a pas, hein, on a l'ASP. Alors Game Boy Advance, c'était bon, passer à la 32 bits, hein, mais voilà, celle-ci c'est la Game Boy Advance SP. Celle-ci par contre, elle ressemble un peu à la Game Boy, hein, hein, quand on la déplie. Oui, DS. Mais là, voilà, c'est, on va dire, elle était rétro-éclairée comparée à la Game Boy Advance classique. Voilà, c'était la première console de Nintendo enfin rétro-éclairée. Et pour surfer sur le succès de la Game Boy, les Chinois ont donc lancé la Game Child, la première copie non officielle. Enfin, officiellement, je pense que c'est la première.
Donc c'est une copie d'époque, hein. Elle est assez difficile à trouver, surtout dans son état mint, hein. Voilà, il est en boîte, pas mine de chez Mint, un peu abîmé. Mais donc je remercie Jacques et Jessica de m'avoir offert ce magnifique cadeau, hein, totalement made in China. Hein, messieurs les Chinois, comment avez-vous osé faire une copie pareille? C'est vraiment, regardez, c'est quand même vraiment, c'est vraiment flagrant, montre la tienne. C'est à peu près la même taille, c'est un petit peu les mêmes couleurs, un petit peu le même design. Bon, c'est pas la même taille d'écran. Bon, elle a beaucoup moins de capacité, il y a beaucoup moins de jeux, hein, évidemment, là-dedans. Pas de en cartouche. Fait, ouais, ça, on le verra sur le test. Il n'y a pas de cartouche, non, les jeux sont intégrés, mais on y croit. Donc, il y avait deux raisons pour lesquelles on pouvait acheter, hein, une Game Child. Moi, je ne vois vraiment que deux raisons pour tomber dans un panneau pareil. Quand t'es pauvre. Vous saviez que c'était de la merde, mais comme vous êtes un gros radin et que vous ne vouliez pas offrir la vraie Game Boy, vous vous êtes replié sur cette fausse Game Boy. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez la Game Boy? Oui, on a la Game Boy et la Game Child. Ah, c'est quoi la différence? La Game Boy, 580 francs. La Game Child, 100 francs. Ah, mettez-moi la Game Child. Ok. Oh, merci pour l'argent. Tiens, Alex, bon anniversaire. La merde, c'est dans l'œuf de mou. Chier. J'espère que tu vas être content. La grosse merde. Putain, c'est même pas la vraie, t'es con ou quoi? C'est de la merde. Tu m'as pris pour un bolos. Soit vous ne saviez pas que c'était de la merde, mais le vendeur vous a bien eu. Bonjour. Salam alaikum. Est-ce que vous auriez la Game Boy? Oui, on a Game Child. C'est pas une Game Boy? C'est la Game Boy, oui. À peu près. Kif. C'est pas une Game Boy? Ah, tenez un cadeau, des chaussures. Ah, c'est pas possible. Alex, ton cadeau. C'est la merde. Ah, tu vas être content. Et putain, tu t'es fait encore niquer par l'arabe, là! Et donc nous voici pour le test de la Game Child. Donc, hein, nous allons faire déjà un unboxing, voir un petit peu comment ça se présente. Alors le packaging, hein, est beaucoup plus petit que celui de la Game Boy. On peut voir au dos, hein, qu'il nous propose trois jeux. Alors on croit qu'il y a trois jeux dedans, on va essayer, mais en fait pas du tout. Hein, ce qui insinue aussi en erreur, c'est que dans les fonctions, là, il y a marqué 3 games levels. Niveau de jeu, alors, ça prête à confusion. Sound off fonction, ouais, ok. Auto power off, donc ça arrête automatiquement au bout d'un moment. Un mode 2 joueurs, 1 et 2 joueurs. Pause on off fonction, d'accord. Ah, et une seule pile AA, une seule batterie. Alors on dit ce produit is not suitable for children. Alors un des déconseillé aux enfants de moins de 3 ans. Il possède une vitre qui peut se casser et peut causer des blessures. Alors apparemment, c'était vraiment le modèle prévu pour la France. Hein. Si vous voyez ici, hop, c'est vraiment marqué France. Et ils ne cachaient pas à l'époque que c'était fabriqué en Chine. Ils en étaient même fiers. Alors on peut pas trop le dater. Hein. La date d'achat, il y a marqué, mais il n'y a rien. Hein, date of purchase. Il n'y a pas de cachet. Alors qu'il était prévu pour un cachet éventuellement ici. Une petite étiquette sous le code barre. Voilà, Game Child. Ah, la batterie n'est pas incluse. Voilà, et de l'autre côté, là, on pourrait facilement croire, enfin, facilement, on pourrait croire en regardant un peu vite que c'est une Game Boy. Mais pas du tout. Alors, ouvrons. Alors il n'y a pas de polystyrène. Alors je ne sais pas si à l'époque il y avait prévu un polystyrène, mais à mon avis, vu comment elle tient tout juste dans la boîte, je pense qu'il va y avoir au mieux un plastique. Donc la voici, la Game Child, avec sa notice. Alors une notice en anglais.
Ah, en français aussi. En français. Voilà, avec vraiment très peu de, pour ainsi dire, pas d'illustration du tout. Alors, regardons plutôt la bête plutôt que la notice. Alors pour comparer, hein, j'ai amené la vraie Game Boy hein, aussi. Hein, donc voilà, on peut comparer en mettant les deux côte à côte. Alors on peut voir hein, que la Game Child est un petit peu plus courte. Hein, la croix, c'est, au toucher, c'est un petit peu la même affaire, quoi qu'elle fait. Elle a un peu plus de relief. Bouton AB, bah là il n'y en a qu'un, c'est Fire. Non, c'est à peu près du même genre. Là par contre il y a 4 boutons. Alors qu'ici il n'y en a que 2. Hein, c'est peut-être le seul avantage de la Game Child. Alors vous voyez la taille de l'écran qui est bien plus petite. Hein, 3 fois plus petite. Game Child écrit en gros. Bon ça ils n'étaient pas obligés. Hein, ils auraient pu être plus discrets quand même. Et là, vous voyez, il y a marqué LCD Game avec des traits bleus et rouges hein, qui sont, sans rappeler, les traits bleus et rouges qui se trouvent ici sur la Game Boy. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a quand même un fond, il y a quand même un décor hein, déjà pré-imprimé sur l'écran. Alors au-dessus, ouais, c'est à peu près kiff-kiff. Alors là, apparemment, il y a des petites encoches qui pouvaient éventuellement servir pour mettre une dragonne, pour la mettre autour du cou, hein, si vous étiez assez fier de l'arborer autour du cou, ou assez fou, je sais pas comment dire. Alors, ce côté-là, ouais, ça ressemble plus ou moins. Là, on voit qu'il y a le côté gripper. Pour les doigts, pour une meilleure prise en main. Là vous avez le bouton de contraste, il n'y est pas du tout. Vous avez la prise pour la lime extérieure, là rien. De l'autre côté, là vous avez la prise pour le câble link, ici rien. Le bouton volume, là le volume, là tu peux juste faire on off. Toujours le côté grippant. En dessous, hein, sous la Game Boy, il y avait une prise casse, là, ma cache Wallou, et encore, tant mieux, quand vous allez écouter le son de cette console, vous allez comprendre qu'il vaut mieux pas une prise casque, quoi qu'il vaut même mieux enlever le son, tellement c'est pourri. Et derrière, voilà, la Game Boy originale avec son jeu Tetris, ici, que vous pouvez enlever, hein, évidemment. Hop, voilà. Là, le compartiment pile. Ah, il me manque le cache-pile, c'est dommage. Ah, elles vont tomber, les piles. Mais, c'est pas évident de mettre les piles là-dedans. Enfin, bon, bref. Et là, ils nous disent open, avec toujours le petit fabriqué en Chine. Et là, on enlève le jeu. Ah non, d'accord. Et en fait, ce n'est pas un jeu. C'est juste le couvercle hein, hein, qui permet de cacher la pile. C'est le cache-pile. Qui ici remplace le jeu. Regardez comment c'est fait. Ça ressemble vraiment au jeu, quoi. Hein, ils ont fait le même relief, quoi. Ils sont forts, ces Chinois. Ils sont forts. Bien plus forts que ces Japonais qui ont fait les choses toutes simples. Et là, ce compartiment, à quoi il sert, je sais pas. En tout cas, j'ai pas le couvercle. Hein, c'était peut-être pour cacher des trucs illicites, hein, des produits, de la farine, du sucre en poudre. Hein, ou tout simplement pour mettre les piles. Oui, ça aurait pu. Hein. Regardez, je pense qu'elles tiennent quand même les piles là-dedans. Les piles de rechange. Quoique, à mon avis, il doit pas en bouffer des masses, des piles, cet appareil. Quand vous allez le voir en fonction. Donc voilà, la comparaison avec la Game Boy s'arrête là. C'est à peu près la même couleur. On comprend qu'on puisse se faire un petit peu berner, mais bon, quand même. Fallait vraiment le faire exprès pour se faire avoir, quoi. Alors, il paraît qu'on pouvait gagner aussi ce genre d'appareil dans les fêtes foraines, hein, parce que ça devait être tellement pas cher. Les gamins devaient sûrement jouer à des jeux qui leur coûtaient des centaines de francs à l'époque. En se disant, ouais, on va gagner la Game Boy qui coûte 500 francs normalement. Ouais, tu parles. T'as gagné la Game Child qui doit coûter même pas 50 francs. Ça, à mon avis, c'est un truc à 50 francs. 10 euros maximum.
On y va, on essaye. On fait le test. Attention, attention les oreilles, je vous avais prévenu. Alors là, comment on joue? On appuie sur on, non, pas la peine. Start, appuyons sur start, on va appuyer sur start. Voilà, ok, alors, je suis au milieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter. Je comprends pas. Je monte et... Je sais pas si vous voyez bien, hein. Moi non plus je vois pas bien. Hein, j'ai perdu quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai un score de 20, hein, c'est déjà pas mal. Et là comment je vais de l'autre côté? J'ai rien compris. Alors ce son est vraiment horrible. Je sais pas trop. Je suis vraiment désolé, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Je suis désolé. Non, ce jeu, il est trop pour moi. Allez, on refait une partie. Oh. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Je pense qu'on va arrêter là. Alors, le jeu est difficilement jouable. Ça, c'est un bouton pause ou pas? Ça, c'est pour enlever le son, alors. Bon, déjà, sans le son, c'est peut-être plus agréable, non? Ah, c'est elle, c'est quoi? Bon, enfin, bref. C'est injouable. C'est un truc auquel vous allez jouer 10 minutes, je pense, maximum. 10 minutes dans votre vie. Et vous allez le laisser sur une étagère ou au fond d'une poubelle, je crois. Je pense que c'est plus là sa vraie place. En tout cas, je remercie Jacques de ne pas l'avoir jeté et de m'en avoir fait don. Parce que rien que pour l'histoire, pour la blague, quoi. Regardez, quand même, sont forts ces Chinois. Et c'est donc la première imitation de la Game Boy qui a été moult fois imitée. Jamais égalé. Hein. Encore aujourd'hui, on sort des fausses Game Boy. Hein, allez sur AliExpress et vous verrez. Sauf que bon, ce sont des Game Boy qui sont maintenant compatibles même avec les jeux Game Boy Advance. Mais donc rétro-éclairés, tout ça. Et après, il y a aussi des fausses Game Boy avec comme des Raspberry à l'intérieur, avec différents jeux qui vont de la 16 jusqu'à la 32 bits. Donc, qui vont au-delà des compétences d'une Game Boy normale, hein, mais bon, hein, forcément, avec le progrès actuel, tout est possible et tout est imaginable. Voilà, c'est le jeu de la vie. Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Donc, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo test un petit peu spéciale de la Game Child. Hein. Bon anniversaire encore à la Game Boy qui fête ses 30 ans cette année. Et bon anniversaire à la Game Child aussi qui doit fêter un peu moins, je pense. Mais bon, on ne l'oublie pas. On pense toujours à elle. Et elle rentre quand même dans la collection, même si j'espère que c'est la dernière fois que j'y joue. Voilà. Merci, bye bye.